2012, tragédie, c'est la fin du monde. Diffusion de la voix de Nick le Grec sur les ondes. Je ne suis plus pressé, je n'ai plus de nanosecondes. Cette putain de planète devient vraiment nauséabonde. 21 décembre, soit 4 jours avant Jésus, ou n'importe lequel, de toute façon je ne sais plus. Je suis toujours chez moi, je crois que je n'ai pas bougé, et j'ai toujours envie de tirer sur ma télé. J'allume la radio et je mets le son à fond. J'entends qu'il faut se barricader dans sa maison. Je change de station et tombe sur une chanson d'Ina. J'ai la queue au garde à vous et je comprends pourquoi. 2012, tragédie, c'est la fin du monde. Diffusion de la voix de Nick le Grec sur les ondes. Tragédie, Nick le Grec, c'est 2012. C'est l'apocalypse et je n'ai toujours pas de clous. 2012, tragédie, c'est la fin du monde. Diffusion de la voix de Nick le Grec sur les ondes. Tragédie, Nick le Grec, c'est 2012. C'est l'apocalypse et je n'ai toujours pas de flou. Je crois que je vais quand même tenter le coup dehors. Avec un peu de chance, Craculax n'est pas encore mort. Peut-être qu'on pourrait piller ensemble les magasins. Pour lui le whisky et pour moi les bouteilles de vin. Dehors les émeutes ont déjà bien commencé. C'est la fin du monde mais les gens ne pensent qu'à voler. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'en priver. Je vole du tabac et avec des feuilles à rouler. 2012, tragédie, c'est la fin du monde. Diffusion de la voix de Nick le Grec sur les ondes. Tragédie, Nick le Grec, c'est 2012. C'est l'apocalypse et je n'ai toujours pas de blues. 2012, tragédie, c'est la fin du monde. Diffusion de la voix de Nick le Grec sur les ondes. Tragédie, Nick le Grec, c'est 2012. C'est l'apocalypse et je n'ai toujours pas de blues. J'arrive chez Craculax et je me fais tirer dessus. C'est sa proprio avec son fusil, elle ne m'a pas cru. Je lui offre une cartouche de feu pour me laisser rentrer. Elle retient ses chiens qui étaient prêts à m'égorger. En fait Craculax, lui non plus ne fait pas grand chose. Car il a passé toute la nuit sur Supermanos. Je lui résume la situation, il me regarde dans les yeux. Allons squatter sur un banc et boire une bière ou deux. Passage dans la rue, l'affaire est entendue. Les voitures brûlent, les corps sentent l'horreur absolue. Mais pour nous c'est quand même un mauvais film qu'on a déjà vu. C'est pas le bon moment pour se trouver à l'extérieur. La police, l'armée, les émeutiers sèment la terreur. Le tunnel de Besançon se pose en spectateur. Je trouve le temps long quand vient enfin la dernière heure.